étudiant à l'école polytechnique, je m'intéressais à la musique et au jazz notamment, et puis j'en ai joué plusieurs années, avant de m'apercevoir un jour que ce ne serait pas tout à fait ça, et puis un peu par hasard à ce moment-là, j'ai découvert la photo. Et je ne faisais vraiment pas de photo jusqu'à un peu plus de 30 ans, je ne faisais même pas une pellicule de photos de vacances par an, donc vraiment pas. Mis à part le fait que j'avais connu ça tout petit, parce que j'ai un père qui, comme d'autres amateurs de cette époque-là, avait un laboratoire noir et blanc, etc. Donc tout enfant, j'avais connu cette ambiance-là, je savais me servir d'un appareil réflexe. Les photos d'animaux dans les zoos, c'est venu un peu plus tard, un peu par hasard, en retournant dans un zoo que j'avais connu enfant. Et là, j'ai une vision, c'était celle d'ours polaires nageant dans un bassin vitré sous l'eau. Et c'était complètement onirique. Et ça me frappait de voir quelque chose qui, moi, m'emmenait complètement dans l'imaginaire, de voir cet animal qui est puissant, lourd, etc., tout à coup devenir léger avec les poils qui se développent comme ça dans l'eau. Me faisait penser vraiment à des nounours, c'est quelque chose de l'enfance. Donc, c'était ma première série sur l'animal, et puis je suis retourné, j'ai fait des photos d'autres animaux, et puis ce qui m'intéressait, c'était vraiment la juxtaposition entre l'animal et les choses construites par l'homme, les angles, les architectures au début. Après, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, c'est que effectivement, ça vient à un moment où on parle beaucoup d'écologie, etc. Alors, j'ai pas voulu faire quelque chose sur ce sujet a priori, mais il se trouve que c'était vraiment contemporain de tout ça. Et j'ai vraiment trouvé des échos à ce que je faisais dans des livres de sciences humaines, des livres d'éthologues, comme Franz de Waal, des choses comme ça. Et je pense que l'animal, c'est en tout cas considéré comme tel par les spécialistes, comme quelque chose, un point de vue assez intéressant pour nous considérer, nous projeter aussi dans une nature que, quand même, globalement, on est plutôt en train de détruire. Il y a quand même une tonicité comme ça dans son être. Et en même temps, cet animal, c'est aussi nous. Parce que c'est nous, parce qu'on projette des choses sur lui, c'est un autre être comme ça. Et puis d'ailleurs, ils sont seuls dans mes photos, alors c'est pas pour marquer une solitude. Ça, c'est pas ça. C'est plutôt pour renvoyer à une espèce de dialogue, enfin en tout cas de face à face. Il y a toujours quelque chose du mystère en l'autre. Donc pour moi, il y a ça. Et puis, il peut y avoir une proximité, et c'est pour ça que j'essaie de les photographier à une juste distance, c'est-à-dire avec une empathie, mais sans non plus leur prêter des attentions, enfin une vie comme ça, je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent, mais je m'intéresse à lui, et ça, voilà, pour moi, c'est une métaphore un peu de ce que va être le rapport à l'autre, qui effectivement peut revertir plein d'aspects. Ces photos-là, in situ, je les ai commencées en Europe, beaucoup en Allemagne, un peu en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque. Et j'avais besoin de partir parce que, d'abord, c'est Giacometti, le sculpteur, qui disait c'est pas de faire les choses qui est difficile, c'est de se mettre en état de les faire. Et c'est quelque chose que je ressens, moi. Enfin, ça résonne tout à fait avec ce que je ressens. C'est-à-dire que je suis pas très original. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui diront la même chose. Le fait de partir, ça met dans un certain état. Et puis, de toute façon, l'animal, c'est un voyage en lui-même. Après, ce qui m'a intéressé en 2015, c'était un projet que j'avais quasiment dès le début, c'était de voir ce que donneraient ces photos, en gros, dans d'autres cultures. Et donc, en 2015, c'est pour ça que j'étais parti aux États-Unis. Et ce que j'avais, donc c'était dans le cadre d'un prix de photos de l'Académie des Beaux-Arts. Et on déposait un dossier et j'avais fait valoir que peut-être justement les constructions, les architectures, même les animaux, la façon de les mettre en scène serait différente ailleurs, peut-être de façon insensible, mais qu'il y aurait quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors pour les photos de zoo, on me dit souvent que c'est passé à la peinture, quelque chose comme ça, où on imagine m'installer devant un enclos, mettant l'appareil sur pied, attendant patiemment des heures comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, je voyage avec un appareil assez léger.
qui est un appareil numérique, un réflexe. Sur le paysage, et ce sera l'objet du prochain livre qui est prévu pour février 2017 avec une série de photos noir et blanc. Ça s'appellera Horizon. C'est des paysages que j'ai pris dans le nord de la France, très épurés. Il n'y a personne, il n'y a pas d'animaux non plus. Et c'est quelque chose sur le temps qui passe, le temps atmosphérique, le sable comme ça balayé par le vent. Alors c'est pas non plus méditatif, c'est entre la méditation et vraiment la balade. On peut les rendre comme ça.